Toute mon enfance, j'avais rêvé d'être vétérinaire. Je voulais soigner les chevaux. Et le petit garçon, là, sur la photo, c'est moi. C'est celui de deux qui a des bottes. Et je suis devenu vétérinaire. J'ai donc exercé la médecine et la chirurgie des animaux pendant quelques années. Mais très vite, j'ai eu la conviction que, en tout cas pour moi, les choses les plus passionnantes se passeraient dans le monde de l'entreprise. Je me disais que les hommes sont faits pour créer, porter des projets, pour vivre des aventures collectives. Tout simplement, c'est le propre de l'homme d'entreprendre. Alors, j'ai choisi de rejoindre le monde de l'entreprise comme vétérinaire. Et au fil du temps, j'ai été de moins en moins vétérinaire, de plus en plus manager, puis dirigeant d'entreprise. Et aujourd'hui, ma motivation pour me lever le matin et aller travailler, c'est cette phrase du fondateur de Réseau Entreprendre: si on veut créer des emplois, il faut créer des employeurs. Dans ma vie professionnelle, j'ai connu des réussites et des échecs aussi, mais jamais je n'ai regretté d'avoir rejoint le monde de l'entreprise et celui des entrepreneurs. C'est pourquoi, il y a quelques années, j'ai reçu comme un coup de poing dans l'estomac le slogan d'un parti politique que je respecte et qui disait ceci: nos vies valent plus que leurs profits. J'ai d'abord été plutôt admiratif du talent de son auteur, puisque, avec 7 mots, il récupère toutes les dérives du néolibéralisme pour en faire un slogan mobilisateur. Et en même temps, je l'ai trouvé très habile, parce que qui de nous ici peut s'opposer à une telle vérité? Mais en même temps, ça m'a rendu profondément triste, moi qui aime l'entreprise. Je me suis demandé comment l'entreprise qui est faite par nature pour rassembler les hommes et les femmes, comment elle pouvait devenir parfois le lieu de telles incompréhensions et de telles fractures, comme si on devait la résumer au profit des uns contre l'avis des autres. Alors, je me suis dit que si on arrivait parfois à de telles incompréhensions, c'est sûrement que nous n'avions pas les idées assez claires sur une question qui est pourtant fondamentale pour tous ceux qui travaillent dans l'entreprise et les autres. Cette question, c'est: à quoi sert l'entreprise? Quelle est la finalité de l'entreprise? Le profit est nécessaire. C'est même la première responsabilité de l'entrepreneur d'assurer la viabilité économique, donc aussi financière, de son entreprise. Le profit n'est pas un gros mot. Le profit est seulement une nécessité. Et nous ne devons pas confondre finalité et nécessité. Si le profit est nécessaire, il n'est pas la finalité de l'entreprise. Alors, quelle est-elle? Pour comprendre la finalité de l'entreprise, je vous propose d'aller à la source. Et à la source de l'entreprise, que trouvons-nous? Un entrepreneur. Je vais donc vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de deux jeunes créateurs, Alexis et Sophie, qui portaient ensemble un projet de création d'entreprise. Et ils sont venus nous voir chez Réseau Entreprendre pour se faire accompagner. Et comme à tous ceux qui viennent nous voir, je leur ai dit: ben Alexis et Sophie, dites-moi d'abord pourquoi vous voulez créer une entreprise. Ils m'ont répondu en gros: on croit tellement fort à notre idée qu'on a envie de la rendre concrète. Et puis ils disaient: nous avons besoin d'être autonomes, de faire à notre façon. Et puis aussi, ils m'ont dit: on a aussi envie de réussir notre vie sur le plan professionnel, sur le plan humain, sur le plan social. Et nous pensons qu'en créant cette entreprise, c'est la bonne manière pour nous d'y arriver. Et je leur ai demandé aussi, Alexis et Sophie, si vous vous projetez un peu dans 5 ans, dans 10 ans, de quoi serez-vous le plus fier? Ils se sont regardés avec un peu d'émotion et ils m'ont répondu: ce dont nous sommes le plus fiers, c'est des emplois que nous aurons créés. Alors vous voyez, cette histoire de Alexis et Sophie, elle nous parle un peu mieux des motivations de l'entrepreneur. Mais elle ne nous dit pas encore clairement quelle est la finalité de l'entreprise. Alors on va suivre l'histoire encore d'Alexis et Sophie. Ils ont fini de mettre au point leurs produits,
Ils ont déposé les statuts de leur société, ils ont démarché leur premier prospect, ils ont décroché leur première commande, recruté leur premier collaborateur, et au bout de 3 ans, ils ont accueilli le 10e collaborateur dans l'entreprise. Ils ont voulu marquer cette étape qui était importante pour la vie de leur entreprise et pour eux. C'était aussi l'occasion de faire un petit peu de communication. Donc ils ont invité leurs collaborateurs, les premiers clients qui leur avaient fait confiance, les fournisseurs, leurs banquiers, monsieur le maire est venu aussi, le sous-préfet. Et voyant tous ces gens-là réunis, Sophie et Alexis ont réalisé que cette entreprise qu'ils avaient créée au départ pour satisfaire des besoins très personnels de réussite, d'autonomie, eh bien cette entreprise, elle était devenue pour tous les gens qui étaient là un bien commun. Cette entreprise fédérait des intérêts communs. Ce jour-là aussi, Alexis et Sophie ont compris que la finalité de l'entreprise, c'est de créer des richesses susceptibles d'être partagées. Créer des richesses susceptibles d'être partagées. Quelles sont les richesses que crée une entreprise ? Eh bien, l'entreprise offre déjà du travail aux collaborateurs qui viennent rejoindre l'entrepreneur. C'est pour eux l'occasion de trouver les moyens de subsistance, pour eux, leur famille, d'exercer leurs talents, d'acquérir de nouvelles compétences, dans l'idéal de s'épanouir. L'entreprise crée aussi comme richesse des produits et des services qui vont servir à nourrir les hommes, à les habiller, à les transporter, les divertir, les protéger, les soigner. Et l'entreprise crée aussi une richesse extraordinaire, puisqu'elle est le lieu de la collaboration par excellence, l'entreprise crée du lien social. Et nous voyons, les gens qui sont privés de lien social, combien c'est douloureux pour eux. Voilà toutes les richesses que crée l'entreprise. Voilà la finalité de l'entreprise. Alors qu'est-ce que ça change de regarder les choses ainsi ? Pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Et ça m'a mis en réflexion sur plusieurs sujets qui concernent la vie de l'entreprise. Le projet de l'entreprise, la question de la propriété, la question de la responsabilité, l'exercice du pouvoir. Par exemple, si l'on considère toutes les richesses qu'une entreprise peut créer, richesse économique, richesse financière, richesse sociale, richesse humaine, si on considère aussi toutes les manières qu'il existe pour partager ces richesses, alors on peut construire un projet d'entreprise qui fasse de son entreprise une entité plus singulière, plus attractive, plus remarquable, plus unique sur son marché. Autre exemple, si on considère l'entreprise comme un bien commun, on va se poser à nouveau des questions sur la propriété de l'entreprise. Qui sont les propriétaires de l'entreprise ? On a l'habitude de répondre, évidemment, ce sont les actionnaires. C'est sans doute vrai, mais partiellement vrai. Pourquoi ? Parce que les actionnaires sont propriétaires du capital de l'entreprise. Ils détiennent des titres de propriété de la société juridiquement constituée. Mais l'entreprise, c'est une réalité beaucoup trop humaine pour être un bien appropriable. Pour ma part, j'ai banni de mon vocabulaire des expressions comme « acheter une entreprise »,« vendre une entreprise ». On achète des parts, on vend des parts. On ne dit pas « vendre une entreprise », on la transmet. Et on voit tout ce que ça veut dire en termes de responsabilité. Si on voit l'entreprise comme un bien commun, alors qui en est responsable ? Bien sûr, on a l'habitude de dire que les actionnaires sont responsables, les dirigeants, les managers, mais tous dans l'entreprise en sont responsables. Tout salarié, où qu'il soit, où qu'il travaille dans l'entreprise, est responsable de l'entreprise, de l'outil de travail, des relations avec les clients s'il en a. Les clients et les fournisseurs sont aussi responsables de l'entreprise avec laquelle ils négocient. Bien sûr, chacun défend les intérêts de son entreprise, mais dans les relations,
on est aussi responsable dans la négociation de l'entreprise avec laquelle on traite. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on découvre les vertus de la solidarité entre entreprises sur un territoire. Et on constate que c'est un facteur de compétitivité. Enfin, les élus qui sont en charge de l'action économique sur leur territoire sont responsables des entreprises. Ils sont chargés de constituer un environnement propice au développement des entreprises, à la vie des employés. Alors, on a parlé de responsabilité partagée, mais ça ne veut pas dire responsabilité diluée. Parce que dans l'entreprise, on organise le pouvoir. Selon quels critères ? Bien sûr, le premier critère, c'est celui de la compétence. Et heureusement, il faut dans l'entreprise des gens compétents pour prendre les bonnes décisions. Mais il y a un deuxième critère qu'on oublie souvent, c'est celui de l'engagement. Par exemple, pour des entreprises familiales qui sont transmises de génération en génération, dans lesquelles on a privilégié le développement à long terme, il est légitime que la famille ait le pouvoir. En revanche, pour des actionnaires volatiles qui peuvent quitter l'entreprise, vendre leur part, acheter ailleurs de façon fluide, ils n'ont pas de légitimité à revendiquer du pouvoir. Mais à l'inverse encore, dans un monde économique difficile où le taux de chômage est élevé, les salariés sont d'une certaine manière attachés à l'entreprise, peut-être malgré eux, peut-être passivement. Mais leur outil de travail est là, il est donc normal qu'on réfléchisse à la place des salariés, à la gouvernance de l'entreprise. Alors, à quoi nous mènent toutes ces réflexions ? Vous savez, la crise que nous vivons, ce n'est pas comme une crise météo, où quand il y a la tempête, on sait que de toute façon, quand ça s'arrêtera, il fera beau. La crise d'aujourd'hui, ça n'est pas ça, et nous devons remonter nos manches. Je ne suis pas un économiste, je suis un praticien de l'entreprise, et ma conviction, c'est que si nous voulons changer des choses, ça n'est pas tant en édictant plus de règles, plus de contrôles, plus de sanctions. Peut-être qu'il faut le faire. Ça, c'est l'affaire des politiques. Mais la chose la plus importante que nous ayons à faire, c'est de nous reconnecter au sens vrai de l'entreprise, à la finalité de l'entreprise. C'est une tâche simple, basique, mais gigantesque. Alors la bonne nouvelle, c'est que je connais beaucoup d'entrepreneurs qui déjà développent leurs entreprises autour de cette finalité, et ce ne sont pas des utopistes, ils le font par conviction et parce que c'est efficace. Je crois aussi que l'entreprise, au XXIe siècle, doit faire l'objet de plus de recherches autour de la question du sens, de la responsabilité, de la propriété, du pouvoir. Et nous, hommes et femmes d'entreprise, nous avons besoin des philosophes, nous avons besoin des sociologues, des humanistes, des hommes de foi, pour continuer à creuser cette question du sens de l'entreprise et adapter toujours mieux nos comportements. Mais surtout, et j'en terminerai par ça, je crois que c'est dans des lieux comme ici, dans les universités, dans les grandes écoles, que nous devons dépasser le simple enseignement des sciences et des techniques du commerce, du marketing, de la finance, du management. Nous devons éveiller les consciences des futures générations d'entrepreneurs, de dirigeants, de managers, les éveiller à cette vraie finalité de l'entreprise créatrice de richesses à partager. Et croyez-moi, comme ils sont avides de ce sens, nous leur donnerons des ailes. Et si nous leur permettons ça, vous verrez, ils seront capables de nous bluffer. Je vous remercie.